Rue Citoyenne, Alain Vaner et ses invités sur Radio Arverne. Ben vous voyez, tout le monde va à la Révolution. Il ne faisait pas la Révolution. Elle était allée faire les courses. On lui a dit de s'arrêter pour montrer ses papiers, mais je ne sais pas si c'était des rebelles ou des policiers. Elle n'a pas répondu à la sommation, alors on a tiré dessus. On doit quand même aller à la Révolution. J'ai trop de travail, moi je dois m'occuper de la maison. On reviendra quand on aura tout bouleversé. Vous faites la Révolution parce qu'il n'y a plus de métaphysique. Vous ne vous rendez pas compte. C'est la condition existentielle qui est mauvaise. La condition sociale et économique est à peu près supportable. Oh, elle est mauvaise, je ne dis pas non. Cependant, jusqu'à présent, on a bien vu que toutes les sociétés sont mauvaises. Il n'y a pas de bonne société. La tyrannie, la dictature, le libéralisme, le capitalisme, tout est mauvais. Aucune économie, qu'elle soit sociale ou libérale, ne peut résoudre les besoins économiques de l'humanité. Ça s'est vu, ça se voit. Lisez donc les journaux. Ils veulent vous cacher la vérité, mais la vérité transperce quand même malgré tout. Il n'y a que des génocides et des massacres d'un bout du monde à l'autre. Bah, vous occupez pas de ces affaires, vous n'y comprenez rien. Vous dites ça parce que je suis concierge. Alors vous n'êtes pas démocratique du tout. Mais je suis pas pour la démocratie, moi je suis pour le peuple. Le peuple, c'est moi. Vous n'êtes pas le peuple libéré, vous êtes servile. Ouais, vous êtes payé par le patronat. Mais il n'y a pas de patron ici, c'est des retraités. Oh, ils ont une mentalité de petit patron. T'es avec moi, ma belle. On va faire la révolution ensemble et puis on fera l'amour. Oh oui, après la révolution ou avant? Pendant, tout le temps, la révolution c'est l'explosion de nos désirs. Ah, chouette. De tous les désirs. De tous les désirs. Allez, viens ma chérie, c'est pas bien joli mais enfin, la révolution t'embellit. Allez, vive la mort. Au revoir madame la concierge. Je vous méprise. Je vous plains, vous êtes une esclave. Bravo. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances.